Samedi 18 août 2012, torrentenews.net, Mesdames et Messieurs, bonjour. Condamnés à de lourdes amendes, ainsi qu'à plusieurs mois de prison, les fondateurs de Pirate Bay font actuellement appel de la décision devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cependant, l'un des fondateurs s'est ce mois-ci engagé dans une nouvelle bataille. Même si nous avons longtemps cru. Que Frédéric Nedj vivait en Thaïlande, il vivrait actuellement avec sa femme et ses deux enfants dans la région voisine du Laos. Étant donné que sa femme est enceinte de leur troisième enfant, la famille souhaite se rendre en Thaïlande pour l'accouchement. Mais cela s'avère désormais impossible, l'ambassade de Suède à Bangkok, venant de révoquer le passeport de Frédéric. Selon un document daté du 6 août, Frédéric ferait actuellement appel de la révocation de son passeport. L'homme de 34 ans soutient que la nature de son crime n'est pas suffisamment grave pour justifier que son passeport lui soit retiré, et que ce faisant, les autorités suédoises soumettent sa famille à des conséquences déraisonnables. Dans son appel, celui-ci écrit ⁇ Nos enfants sont nés à l'hôpital du côté thaïlandais de la frontière, où ils ont reçu tous les soins médicaux nécessaires. Les raisons sont principalement les normes de soins et d'hygiène. En conséquence, notre famille a besoin de temps en temps de passer la frontière pour recevoir des soins médicaux, notamment lors d'une grossesse. Le désir de Ned de pouvoir se rendre en Thaïlande est compréhensible. Le Laos est un des rares pays communistes restants, et il est l'un des pays les plus pauvres de l'Est de l'Asie. Le but de la Suède serait-elle d'indirectement emprisonner Frédéric à vie dans sa maison au Laos Cet article et cette vidéo sont réalisés sous licence Creative Commons. App et même pirater, partager et modifier sans modération. Pour le partage, la culture et l'information pour tous, loin des cancans du business.